de la rentrée pour les enfants à l'école, qui est parti en vacances, c'est la rentrée travail. Et nous, c'est la rentrée où, Sophie? Pour les soins. Aujourd'hui, c'est la rentrée pour notre parcours PMA. Oui. Donc, on a rendez-vous avec le docteur. J'avoue que j'avais intention un peu de... d'annuler le rendez-vous et de le prendre pour la semaine prochaine. On est à Paris, on le sent, voilà, ambulance, etc. Je voulais reporter dans une semaine parce qu'en Italie, on a bien mangé. Donc, je pense que j'ai pris 2 kilos. Je n'avais perdu combien? J'ai pesé 87 quand je suis venue chez lui et j'ai parti d'ici que j'ai pesé 81. Après, voilà, il y a eu un mariage. Elle a bien mangé. Donc, ce matin, je me suis levée, je fais 83. Mais je vais le cacher. Je vais lui dire que je fais 81. Comme ça, il va me dire. Et voilà, on va voir qu'est-ce qu'il va dire, qu'est-ce qu'on va faire, si on va faire quelque chose, si on va rien faire. Voilà. Ouais. Regardez la oxyde aujourd'hui d'Angela. Simple et beau. A few moments later. De sortir, le verdict est tombé. On va commencer mercredi avec une nouvelle fibre. Donc, je vais commencer mercredi à faire les injections tous les jours jusqu'à lundi prochain où j'ai un autre rendez-vous avec lui pour surveiller un peu la situation. Il m'a donné aussi de faire la visite d'anesthésie et avec les biologistes car on ne sait pas si on va arriver à la ponction ou pas parce qu'il m'a dit que les ovaires sont fatigués. Il a dit on va essayer, on va voir qu'est-ce qu'on arrive à faire. Peut-être qu'il n'y aura pas la ponction, mais en tout cas, voilà, on va faire le possible. Et du moment que je fais tout avec lui, donc lui c'est privé, à la clinique où il travaille, ils font l'anesthésie générale. Moi je l'avais dit, mais moi je fais l'anesthésie locale, j'ai déjà fait 2 fois avec l'anesthésie locale, ça y est, c'était tranquille. Il m'a dit non, où on travaille, on fait l'anesthésie générale. Donc pour 10 minutes, il a 10 minutes d'anesthésie, mais c'est général. Il dit ok, donc il faut que je fasse la visite anesthésiologique et avec le biologiste. Là, on va se balader un peu sur Paris. Et après, je rentre à la maison avec calme, je lis tous les consentements, je lis tous les débits. Bien sûr, je vous dirai le prix et tout, parce que si vous êtes intéressé de faire cette démarche dans le privé, comme ça, vous aurez au moins une idée. Après, chaque professionnel, il a fait payer ses tarifs, mais moi, vous aurez une idée. Pour nous aussi, c'est la première fois, parce que jusqu'à maintenant, on était à l'hôpital public. C'est notre première fois dans le privé pour la visite, donc... Là, on va se balader un peu parce que je commence à être. On va faire les touristes. On va faire un peu les touristes. Juste en face de nous, il y a les Géos. Ouais. Sophie, il dit qu'on peut rentrer, c'est gratuit. Moi, je pense pas. Non, je pense pas. Il faut réserver peut-être sur internet parce que c'est blindé. Oui, il y a beaucoup de monde. Donc, je sais pas de quel sport il est là, mais on va le voir. Et après, on a un colis à récupérer. Donc, on va se voir avec son frère. En effet, c'est 2 colis, mais je vous montre plus tard. Oui. Sofiane, t'as fait quoi? Angela, t'as fait quoi? Là, on s'est improvisé un pique-nique. C'est vrai, Sofiane? Il est midi quand même, hein? Ouais. Midi 30. On a faim. C'est le moment de manger un petit truc. Et juste à côté de la Tour Eiffel. On est le meilleur restaurant. Avec... Le meilleur restaurant du monde. Avec la meilleure vue. Voilà, c'est la Tour Eiffel. La mienne, il s'est un peu cassé la gueule. J'ai vu qu'on a eu un peu d'attente, c'est vrai. J'espère que moi, elle est bonne. Goûte-la. Elle est bonne? Et regardez qui est de retour. Regardez qui on est parti à récupérer, Monsieur Poupi. Ça, c'est ton cadeau d'Italie. Hein? Regarde, on a pensé même à toi. Des biscuits aux pommes. Tu les veux? Hein? Tu veux les biscuits? Tu veux les biscuits? Quelle tête! Tu veux les biscuits? On t'arrive pas avec une marque. Tu veux? Biscuits? Biscuits?
Biscuit? Ah, non, biscuit? C'est bon? On est passé aussi récupérer un colis de la part de Nanessa Marix. Mais je vais vous le montrer tout à l'heure parce que là, j'ai trop mal à la tête. Il faut que je prenne quelque chose et que je vais faire une petite sieste de 1 heure ou 2. Et après, on partira aussi à la pharmacie pour récupérer les médicaments. Et je vous montrerai les colis ce soir ou demain à la limite. Mais parce que là, je ne peux plus vraiment. Petit passage à la pharmacie fait. J'ai pu récupérer que ça. Le reste, ça va être demain. Et avec ce genre de médicaments, il faut toujours s'y prendre à l'avance et pas y aller à la dernière minute parce que ça arrive que tous les médicaments ne sont pas disponibles ou toute la quantité de médicaments n'est pas disponible. Moi, voilà. Donc, demain, j'y retournerai. Il faut aussi que je contacte le docteur parce que à propos de Percoveris, il a marqué un numéro. Je ne comprends pas si c'est 150 ou 250 unités. Donc, il faut que demain, je lui envoie un message pour savoir exactement le dosage correct. On va manger un caprese. De la tomate venue d'Italie. Oui, on l'a pris en Italie, c'est là au marché. Samedi avant de partir, il y avait les marchés chez moi. Et on a pris des tomates, des olives. Et aussi de la vraie mozzarella di bufala. On la mange que comme ça, nous. Et voilà, la et voilà, vraie regardez. Mozzarella di bufala campana DOP. Regardez-moi ça. Waouh. Wow. Et voilà. Et bon appétit. Ça, c'est l'assiette qu'on a acheté dans les Pouilles. Voilà, si vous avez vu la vidéo, vous l'aurez déjà vu. Et là, on est prête pour le dîner. Regardez la différence. Sofiane qui exagère toujours. Sofiane, il a voulu ajouter aussi une provola, c'est-à-dire que c'est comme une mozzarella fumée. Et regardez mon assiette. Qui est? Regardez, non mais, regardez. Je pense qu'il y a 10 mozzarella que tu as mis, Sofiane. Pas moi, il y en a 2. C'est la même quantité qu'il y a. Non, ici. Non, pas du tout, Sofiane. Regarde. Non. Mais tu m'arnaques là. The next day. Et on se retrouve le jour d'après. Regardez avec quel temps. Il pleut. Il pleut. Ça, c'est la rentrée. Ouais. Après 35 degrés à ici Paris, le temps gris. Je dois faire la prise de sang et donc on ne doit pas tarder. Je ne suis pas sortie de bon matin, d'habitude je sors de bon matin, mais quand je vais à 7h, je n'ai au moins pour 1h30, 2h. Donc j'ai appris qu'il faut partir 10h, 10h30 là-bas. Et aujourd'hui ça va parce que j'ai le temps pour recevoir les résultats. Lundi par contre, il faut que je parte à 7h parce que lundi j'ai aussi le rendez-vous l'après-midi avec le docteur. Donc il faut que j'aille les résultats avant que je parte chez lui. Monsieur Boupi, il est où? Il est là. Le pauvre, cette nuit, il nous a fait sortir 2 fois dans la nuit. À 2h30, on est sorti moins Sofiane parce qu'il a la diarrhée. On l'a récupéré et il a la diarrhée. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a mangé. Hier, je ne l'ai pas donné à manger parce que j'ai vu qu'il avait la diarrhée. Et ce matin, j'ai donné un peu de saumon avec du riz bien cuit. Et il nous a fait sortir aussi à 6h du matin. Le pauvre, il est venu à côté de lui. Il pleurait. J'avais compris qu'il devait partir aux toilettes. Donc, j'espère qu'il va guérir vite. J'ai même commandé des ferments lactiques sur Amazon, mais je vais les recevoir jeudi. Donc, j'espère qu'entre-temps, j'arrive un peu à le soigner avec de la nourriture plus propre. Et voilà. Et voilà, le premier, c'est fait. Et nous, on attendait juste dans les supporters. Bien, Boupi. Avec Boupi. Hein? Hein? Tu supportes ta maman? On remplit un formulaire qui est comme un examen d'université. Déjà, on a fait tout ça. Maintenant, on va faire ça.
on va lire bien les débits qui nous font mal. C'est vrai, Sofiane? Ils font mal les débits. Hein? C'est ça. L'argent, elle paye, elle revient. Oui, je sais, mais on a peur qu'ils nous cachent des choses. C'est pour ça qu'on est en on train va de aller là et on va avoir des surprises pour le prix. Alors, du moment que les jours qui vont suivre, ils vont être des jours intenses, là, j'ai vraiment envie de quelque chose de sucré, de bon, de gourmand. Mais vous savez bien que je ne peux pas trop excéder dans des gourmandises. Aujourd'hui, j'ai trop envie. Donc, j'ai pensé de faire un tiramisu fit. J'ai un peu vu des recettes par-ci et par-là sur TikTok et sur YouTube. Donc, j'ai acheté des ingrédients et je vais faire un peu à ma sauce peut-être. J'ai pris des biscottes complets. C'était les seules que j'ai trouvées par mis tous les autres où il avait le moins de sucre présent. J'ai pris également du yaourt grec, le café bien sûr, le café à la moka, et j'ai acheté le beurre de cacahuète parce que je vois que beaucoup d'athlètes, beaucoup de gens qui sont dans ce monde fit, ils utilisent beaucoup le beurre de cacahuète, donc je me suis dit peut-être c'est une bonne idée, même si je me rappelle qu'une fois je l'ai acheté chez Lidl, mais j'ai acheté le beurre de cacahuète crunchy avec des morceaux de cacahuète et j'ai pas trop aimé. Là, je l'ai pris sans ce morceau, j'espère que je vais aimer. Et je vais saupoudrer avec de la poudre de cacao. J'hésite si ajouter de la farine de coco dans le yaourt ou pas. On va voir. Bah, finalement, je pense que je vais l'ajouter. Voilà, je mets un peu de poudre de coco. Voilà. Les biscottes, peut-être il faut les casser un peu sinon ça rentre pas. Mettre une petite cuillère ici et une petite cuillère de l'autre côté. Voilà. C'est prêt. Je vais le mettre au frigo et on va le manger ce soir. Elia, je viens de finir mes trucs. Et regardez qu'est-ce que j'ai offert à Angela. Vous allez voir sa réaction. Je suis dans l'ascenseur. Vous allez voir sa réaction maintenant. C'est quoi ça? C'est mon cadeau pour toi. Oui. En fait, quelque chose? Rien. Juste pour te faire plaisir. Oh, mais ils sont trop mignons, Sophia. Tu l'as pris où? Le fleuriste? Oui, je les ai arrachés. J'aurais des doutes sur ça. Ah, mais ils sont trop beaux. T'aimes bien? Merci. Tu m'attendais pas? T'as fait, c'est une surprise. T'as fait quelques bêtises peut-être? Non. C'est dû à quoi alors? Juste pour te faire plaisir. Regardez qu'est-ce qu'on a acheté, un nouveau chien. Avec l'étiquette. Et Boupi. 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 On a acheté un nouveau harnais. Regardez chez Jiffy. Et Boupi, t'es contente? T'es contente? Qu'est-ce que je vous ai dit hier? Si vous êtes en PMA et vous devez prendre des médicaments à la pharmacie, n'allez pas le jour avant de commencer le traitement. Déjà parce que peut-être que tous les médicaments que vous avez besoin, ils sont pas disponibles, et même parce que des fois le pharmacien il peut se tromper, comme dans mon cas, la fille qui hier il a pris ma commande, il m'a donné les médicaments qui étaient disponibles, elle a passé la médicament, elle a passé la commande pour les médicaments qui manquaient, et il m'a marqué une boîte de Gonal, mais je n'avais besoin de 6, et une boîte de Pergoveris, et je n'avais besoin de 2.
Et il m'a marqué aussi deux boîtes de Décapeptyl et j'en avais besoin de un. J'ai parti à récupérer les médicaments et quand j'étais dans la queue et tout, j'ai regardé les tickets, j'ai dit mais il y a quelque chose qui va pas. Je pense qu'il y a une erreur. Et quand j'ai parti voir la pharmacienne qui n'était pas celle d'hier, elle m'a dit madame, je voudrais revoir le dossier avec vous parce que je pense qu'il y a quelque chose qui va pas. Effectivement, il manquait les boîtes, voilà. Donc, si vous êtes en PMA, partez à l'avance et vérifiez bien l'ordonnance, surtout pour les quantités. Parce que par exemple, les stylos, j'ai Gonal, c'est un stylo de 900. Moi, je dois injecter 450 unités, c'est-à-dire qu'avec un stylo, je fais 2 jours. Donc, il faut bien calculer le dosage qu'il nous faut et aussi pour combien de jours il nous faut. Pour ne pas se tromper, pour ne pas rester sans ce médicament. Parce que si on rate, c'est grave. Après, si vous êtes dans une situation comme celle-ci, appelez. Voilà, vous le voyez? Vous le voyez? Regardez, il va revenir. Regardez. Il va revenir. Donc, si vous vous trouvez dans une situation comme celle-ci, vous avez mal calculé, vous avez terminé une boîte de Ovitrel, Pergoveris, Gonal. Voilà. Partez tout de suite à l'hôpital et essayez de voir là-bas s'ils ont un stylo à vous dépanner. Voilà. Sofiane. Dis-moi. Qu'est-ce qu'il y a au menu ce soir? Alors, c'est ce soir gambas. Oui. Avec un peu de moules qui te reste d'hier. Parce que j'ai jeté des moules, mais je n'ai pas tout fait. Un peu de fromage. Je vais couper aussi le fromage qu'on a acheté dans les pouilles. Je vais couper le blanc. Et on a aussi un grand noir. Brigitte, elle nous a demandé de le couper pour voir comment c'est à l'intérieur. On ne va pas le faire ce soir. On va le faire dans la prochaine vidéo, je pense. Ce soir, on va entamer celui-ci. Que celui-ci, on a acheté juste un quart. Voilà. Et voilà. Qui veut goûter un morceau? C'est comment? Je l'ai déjà goûté là-bas, moi. C'est très bon. Il est trop bon, avec raison. C'est vraiment salé. C'est trop bon, vraiment. Tu sens que tu manges du fromage. Du fromage, voilà. Pas de fromage plastique comme on achète chez Auchan, chez Lidl, quoi. Ça sent vraiment le fromage. Le fromage. Nous, des fois, on va à une ferme à Saint-Rémy à Chevreuse et là-bas, on achète aussi du bon fromage. Oui. Mais pas comme celui-là, Angel. Une bûche. Et bon appétit. Et bon appétit. Alors, Sofiane, il va goûter mon tiramisu fit light. Tiramisu. C'est comment? C'est bon, c'est bon. Je te vois pas comme bon que Sofiane. Il est bon. T'as mis des cacahuètes dedans. C'est le boule de cacahuètes. Boule de cacahuètes. On se retrouve le jour d'après, à l'heure du déjeuner. Ce matin, je me suis dédiée à vider la valise après 3 jours. 3 jours qu'on est rentré et je n'avais pas pris le temps de la vider, donc je l'ai laissé dans un coin. Mais maintenant, je l'ai fait, c'est bon, il faut juste que Sofiane la descende à la cave. Je n'ai pas encore rien préparé pour le déjeuner, mais je ne vais pas tarder. Mais avant de faire ça, je voulais vous montrer qu'est-ce que j'ai reçu dans le colis que j'ai parti récupérer l'autre jour. C'est de la part de Danessa Marix Beauty. Si ça fait longtemps que vous nous suivez, vous savez bien que moi je suis make-up artiste. Et le make-up c'est vraiment mon travail. Et ça fait quelques années que je travaille avec cette marque. Occasionnellement, elle m'envoie des produits et m'envoie des cadeaux. Là, elle m'a envoyé quelques couleurs de couleurs fixes.
Sachez qu'avant de collaborer, on va dire, j'étais vraiment une très très bonne cliente. Et donc, c'est pour se dire à quel point je suis amoureuse de cette marque. Bien sûr, comme toutes les marques, il y a des produits que j'aime beaucoup, des produits que j'aime comme ci, comme ça, des produits que j'aime pas du tout. Et je vous ai fait un vidéo à ce sujet où je parle vraiment uniquement de la marque. Donc, si vous êtes intéressé au monde du maquillage et à découvrir les marques, voilà, j'ai fait un vidéo spécifiquement sur la marque d'Anissa Marix. Là, j'ai reçu les couleurs fixes. Je ne vais pas vous en parler plus que ça, mais c'était juste pour vous le montrer vite fait. Mais je vous ferai un petit short ou un petit reel sur Instagram pour vous montrer les produits, on va dire, en action. Mais ils sont d'une beauté, beauté incroyable. Regardez. Voilà. Les deux couleurs fixes, on va dire, à effet. Vous voyez, oh, mais c'est trop beau, trop trop beau. Il y a différents finishes, il y a des mats, il y a des mats, il y a des nudes, il y a des métalliques. Et mes préférés, on va dire que c'est les foils et les métalliques. Je vais vous swatcher une autre texture aussi. Ça, c'est les Twin Flay, c'est toujours des duochrome, triochrome. Vous voyez, c'est beau. C'est trop beau. Et j'ai reçu un gloss aussi. Les autres, je ne vous les swatch pas. Mais juste voir le gloss. Parce que je n'ai pas cette couleur-ci. C'est toujours un gloss qui vire vers le rose. C'est beau. C'est très joli. Très joli. Voilà. Bref. Vraiment rapide, c'était juste pour vous montrer parce qu'après je sais que vous allez me dire mais qu'est-ce qu'il y avait dans le colis et tout. Donc je vous ai donné un petit spoiler. Pour déjeuner, je vais pas me casser la tête plus que ça, je vais faire des gambas, une salade et c'est bon. Une salade avec des gambas, salade verte, chou rouge et carottes, voilà. Pour les prochaines 2-3 semaines, je vais essayer vraiment de manger beaucoup de poissons, beaucoup de crustacés. J'ai lu quelque part que ça aide pour la fibre, ça aide pour les ovocytes et tout. Donc, je vais essayer de manger beaucoup de ça. Passer vite fait chez Action, mais il y a le délire. Franchement, la rentrée chez Action, c'est le délire. Là, je vais passer à la pharmacie. Alors, comme quoi il faut s'y prendre à l'avance. Je l'ai dit hier et je le redis aujourd'hui. J'ai passé. Ça manquait une boîte. Encore. Oui, Pergoveris. Ça manquait une boîte. Heureusement que j'en ai une. Et avec celle-ci, j'arrive à faire 6 jours. Heureusement. Heureusement. J'ai pris une corbeille pour les stylos, pour les injections. Et ça, c'est bien de la demander parce que, comme ça, après, vous pouvez y rendre. Normalement, c'est gratuit, mais moi, j'ai jamais payé. Une fois que c'est rempli, j'ai la ronde et ils jettent les seringues. Voilà. Donc, j'ai récupéré les boîtes qui manquaient, sauf une. Ça manque encore une. Elle m'a dit demain. J'espère qu'elle n'est pas retour de stock, sinon là, je commence à paniquer. Après, chez Action. Je viens de voir. J'ai passé vite fait chez Action, vraiment juste pour acheter les sacs poubelles. Ouais, ouais. J'étais là, j'ai acheté un shampoing. Ouais. Fais-le en voir, j'ai acheté ça pour faire. Fais-le en voir. J'ai acheté ça pour mettre l'eau pour Boupi, c'est un plat, mais je vais lui mettre l'eau. Boupi, il est là. Il a déjà un comme ça pour la nourriture et j'ai pris un autre pour mettre l'eau. Donne Boupi, il est contrarié, il ne veut pas le donner. Boupi, donne. Tout est prêt, c'est bon. Je dirais que là, on peut commencer. Donc, je peux officiellement dire, c'est la saison 3 de notre parcours PMA, épisode 1.
Si vous êtes nouveau sur la chaîne et vous tombez tout par hasard parce que vous êtes vous aussi concerné, sachez que j'ai fait aussi la saison 1 et la saison 2. Donc celle-ci c'est la troisième et j'espère que ça sera la bonne. Je suis prête, on va le faire ensemble. Je vais vous montrer comment préparer le stylo. Mais en tout cas c'est très simple. Sur YouTube il y a plein de vidéos où pour chaque médicament c'est expliqué comment faire. Donc comment ça marche chaque stylo. Gonal, il y a la vidéo de Gonal. Pergoveris, il y a la vidéo de Pergoveris. Ovitrel et tout le reste. Je vais commencer avec Pergoveris. Donc je tire le capuchon. Voilà. Je vérifie qu'il n'y a pas de boule d'air et il n'y a pas. Pour la suite, mettre l'aiguille. Donc je fais comme ça. Je tourne. Ok. Voilà, c'est fait. Toujours, il n'y a pas de boule d'air. C'est bon. Avant de retirer le capuchon, il faut régler le dosage. Donc, vous faites selon votre dosage à vous. Et si vous vous trompez, vous inquiétez pas parce que ici, on tourne. Et si on se trompe, on peut revenir en arrière. Donc, je vais mettre mon dosage. Ça, c'est mon bidou. Alors, on peut la faire dans toute cette zone-là. Et certains disent aussi qu'on peut la faire sous les cuisses. Alors, moi, je vais la faire aujourd'hui ici. Avec un coton imbibé d'alcool. On va désinfecter la zone. OK? On retire le capuchon. Moi, je vais le faire de face. Et regardez, l'aiguille, il est très petit. Je vais le faire de face comme ça. Si vous êtes sensible, vous n'allez rien voir. Voilà. L'important est de se mettre de manière perpendiculaire. D'accord? Je prends un petit bout de peau comme ça et je pique. Voilà, ça commence déjà à rentrer l'aiguille. Voilà, j'ai rien senti, je vous assure. Maintenant, je vais tout en haut et je pousse. Et je m'assure que le compteur, ça revient à zéro. Je le tire doucement. C'est fait. Regardez. Le compteur, ça est revenu à zéro. Je dévisse l'aiguille. Et je le jette dans le petit bac que je vous ai montré aujourd'hui. Le petit bac jaune qu'après, on va rendre à la pharmacie. Je remets le bouchon du stylo. Et je vais mettre ça au frigo. Et c'est fait. Et maintenant, je vais passer à la deuxième. J'attends quelques minutes, un minute ou deux, parce qu'on peut enchaîner un derrière l'autre. Il y a eu des moments où, quand j'ai fait le protocole, je ne faisais trois un derrière l'autre. Donc, j'attends une minute ou deux et j'enchaînais la suite. Prochaine injection, je vais la faire en vidéo avec ma mère. Donc, je vais arrêter la vidéo ici parce que ma mère aussi va être de quelque manière présente. Donc, je vais la faire en vidéo avec elle. Je dirais que pour aujourd'hui, c'est tout. J'espère que ce petit vidéo vlog, ça vous a plu. Bien sûr, là, on est dans le clou. On commence, donc il va y avoir des autres vidéos concernant notre parcours PMA. J'ai pensé qu'en attendant la prochaine vidéo, je vais vous mettre quelques nouvelles sur Facebook et sur Instagram. Donc, si vous ne suivez pas là-bas, je laisse tous nos réseaux sociaux en barre d'infos. Facebook, Instagram, TikTok. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, mais qu'est-ce que vous attendez? Faites-le, c'est gratuit. Et je vous donne rendez-vous très bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao. Kisses.